Unia a organisé une grande manifestation de l'industrie pour qu'un maximum de représentants des différents secteurs de l'industrie, donc des salariés, soient présents pour adresser un message fort au monde politique. Que l'industrie reste l'avenir économique de ce pays, mais que cet avenir ne se décidera pas sans les travailleurs et que tous les défis qui nous attendent doivent être décidés par les travailleurs avant tout. Je participe à cette journée de l'industrie pour dire ma colère face à la situation qui se passe en Suisse, c'est-à-dire que le politique ne fait rien et a l'impression de laisser tomber totalement cette branche, alors que l'on sait l'importance qu'il y a d'avoir un secteur industriel fort pour un pays. Aujourd'hui, le but final de cette manifestation est de pouvoir souder encore une fois les travailleurs de l'industrie et continuer nos démarches dans l'esprit syndical qui nous a toujours animés. Unia a décidé d'adresser un message politique aux autorités sous forme d'un manifeste. Un manifeste qui reprend nos thématiques que nous défendons depuis des années mais qui sont peu écoutées par ce monde politique, qui navigue un peu dans une sorte d'autisme politique et économique. Et on souhaite vraiment que les revendications que nous apportons soient écoutées. Un, sur la politique de la BNS avec une politique monétaire qui soutiennent vraiment l'industrie et toutes les politiques qui nous attendent en termes d'innovation avec la fameuse industrie 4.0 qui se développe déjà actuellement mais qui va présenter plusieurs défis pour le monde du travail et les travailleurs ont leur mot à dire dans ces circonstances.